Dans les années 2000, Godwin Okpara, ancien joueur du PSG et international nigérien, avait adopté avec sa femme une jeune Nigériane de 13 ans. La jeune fille, vendue par son père qui pensait lui donner une meilleure vie, va vivre un cauchemar pendant 5 ans. Tous les jours, elle devait se lever à 6h du matin pour s'occuper des enfants, faire les tâches ménagères et tous les soirs, elle dormait dans une cave sur un matelas mouillé. Depuis le début, Linda, la femme du couple, aimait l'humilier, la maltraiter, la rabaisser jusqu'au jour où tout s'empira. Godwin la violera pour la première fois alors qu'elle a 15 ans et répétera ce geste tous les jours. Jusqu'au jour où Linda les surprendra mais accusera la jeune fille de chauffer et de coucher avec son mari, alors que cette dernière l'avait déjà averti des faits de celui-ci. Mais pour se venger, Linda, en compagnie de sa mère, va lui mutiler le vagin et lui faire subir toutes ses vices. Après une première fugue, la police la ramène chez elle pensant qu'un tel joueur ne pouvait pas faire ça. La deuxième fois, elle va se réfugier chez une voisine qui appellera la police et là, ils feront leur travail. Ils seront jugés tous les deux à 10 et 15 ans de prison et obligation de quitter le territoire à la fin de leur peine. Et la mère de Linda a 2 ans ferme pour complicité. Quant à la jeune fille, elle a sorti un livre sur cette histoire, mais je vous laisse un lien pour en savoir plus.